Putain, mais il y a un truc juste derrière, vache. Ah oui, c'est les saisies de drogue. Je dois installer des caméras de surveillance, donc ça va se faire vite, ça. C'est juste derrière. Pardon, excusez-moi. Ce qui est bien, n'empêche, pour varier justement le fait que, tu sais, les GTA Lags, c'est que du gunfight. Ils ont fait en sorte qu'à Hong Kong, les armes à feu sont très 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 peu répandues et du coup, bah, les trois quarts du jeu se passent au corps à corps. Et ça, c'est cool. Ça, c'est bien pensé. C'est bien Tommy. Il a un couteau lui. Attends, il veut pas se faire rattraper. Oh putain, Navy. Et je suis mort. Oh, faut absolument que j'aille bouffer pour récupérer toute ma vie. C'est vrai que le maximum de vie ne remonte pas. Je suis à Central Hospital. 15 000 dollars l'hôpital. Eh bah dis donc. Taxi. Non, pas de taxi. Ça clignote, ça c'est un truc à faire. C'est... Je sais pas quoi c'est ça. Ça doit sûrement être un collectif, mais aucune idée. Pareil, faudrait que j'aille m'acheter des voitures. Alors, quête secondaire ici. Mr. Shen, Mr. Shen. Deux secondes. On va acheter des boulettes de porc d'abord. Tu as combien de ma vie? Attends, on va enchaîner les boulettes. Je peux enchaîner les boulettes de viande? Si je mets... Est-ce que ça réaugmente? Histoire d'être sûr que je suis bien à fond. Non, ça augmente pas plus. Qu'est-ce qui se passe? Hein? I've got a whole shipment of birds from the mainland, but they keep losing. I think they must have been feeding them sawdust or something. Remind me not to bet on them. Yes, exactly. I'm just about bankrupt. My only hope is to get the insurance money on the shipment. And my truck. Your truck? If someone were to steal it and run into the harbor, I'd be safe. Damn. Chicken congee. Why don't you have a pork bun in your hand? Super, magnifique, la mission qui commence avec une voiture totalement en flammes. Bon, bah, ah oui, bah non, mais ça fait partie du... Okay. Bon, je prends. Ah, mais sauf que... Elle s'est bien fait amocher un peu plus par le bus. Il passait par là. Il faut pas que je la fasse exploser non plus.
Tario ! Merde, merde, merde. Non, c'est bon, elle est pas morte. Oh putain, j'ai pas mis les cailloux là sur le côté. Tario ! Magnifique. Magnifique. Ah, il aura pu me donner un tout petit peu plus d'XP quand même. Ça c'est réglé. Et pareil, t'es pas obligé de reparler à la personne pour valider la mission, ça c'est bien. Et c'est arrêté de pleuvoir. On va être un peu mieux là. On a même du soleil. Très beau soleil. Taxi, non? Oh, une Lamborghini style. Réquisition de la police. Oh putain, ça trace. Oh la vache. Son temps, on va pas rusher la fin du jeu. Le jeu est plaisant, donc autant faire les quêtes secondaires. Quand un jeu est plaisant, ça prend, on prend du plaisir à faire les quêtes secondaires. PTU responding, over. Merde! Comment on fait pour glisser sur la tuture déjà? Mais il glisse pas! C'est quoi déjà le gameplay? C'est quoi déjà le gameplay? Non, c'est pas grave. On va aller faire à la règle. Maîtriser le suspect? Ah, ça change des flics français, hein! Ça change de la police française, hein, la vache! Ben, ça donne pas grand chose par contre, hein. Quoi, c'est là la mission principale? Ah ouais. Ah bah, je... Ah, faut un smoking, c'est vrai. See you again soon. Bye bye. Ça va, c'est quasiment le même smoking. Mais... Stuck in traffic, I'll get there soon as possible. Don't worry, there's still time. Don't start without me. Jusqu'à la salle du banquier, on va se prendre des boulettes. Attends, ça charge de combien? Ça recharge d'un carré. Parce que si je reprends, ça me recharge d'un carré. Ça me recharge pas d'un carré, faut de la nourriture différente. Où est-ce passé dans le temps? En plus, j'ai une belle caisse pour le mariage là. Ah oui, je me souviens de cette scène. Je me souviens de cette scène.
Hello, Yao. I'm so happy you can make it. Congratulations. Peggy, you look stunning. Thanks, Wei. You both must be very happy. Yes. The best day of your life, so they say. You know what? They're right. If you say so. Oh, Uncle Paul, welcome. My guest of honor. I'm happy to be here. It's nice to see someone who wants to be a good family man. Not enough of that nowadays. Hi. You look absolutely lovely, my dear. Thank you. Almost as lovely as your mother-in-law. Oh, and Mrs. Chu, I expect the food to be... Wait. Fantastic. I got a case of the chairman's favorite wine in my car. I forgot to bring it in. Do you mind grabbing it and making sure they know it's for him? I'm gonna make sure he gets inside, okay? Yeah, sure thing, Winston. You gotta enjoy your day, okay? Where are you parked? Ah, right through there. I'm going. Just bring it into the kitchen. Salut Sorrento. De quoi? Non? Non, c'est une nana. Non, sa sœur est décédée. Shit! Bah, c'est le chef de la triade? Fuck! Non, je suis un de ses lieutenants. Jack, you there? Holy shit, did you see that? There's no way we're getting in through here. I'll find a way inside. I'll go get help. J'ai cassé les bouteilles de vin. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être Dogaz qui fout la merde. Ou Big Smiley plutôt. Ouh, aïe. Carrément, c'est les serveurs, ils sont pas contents, on leur a pas donné assez de pourboire. Ouf, ça fait mal. Oh, oh oui. Oh, magnifique. Magnifique. Mais... Eh, oh, par terre. Viens là, toi, je vois ce que ça fait, ça. Ah, c'est juste pour le balancer à travers, ok. Bon, qu'est-ce qui se passait, là? Oh, ce headshot que je t'ai lancé. De hachoir. Aïe. Tranquillou. Alors attends, bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Option. Audio. Non, pas affichage. Audio. Ah bah je me disais qu'il y avait un souci. Je me disais que j'entendais pas de la musique. Salut bébé. Je me disais que j'entendais pas de musique. C'est bizarre. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Ah c'était super bébé. Bonjour, je t'ai découvert sur ton best-of FF15 qui m'a bien fait rire. Ah oui, tout le plaisir est pour moi, Sorrento. Ah, j'en ai eu un. Ils ont des flingues, je peux avoir des flingues, moi? J'ai un flingue ici, c'est pas terrible. Là. Non mais t'es sérieux?
Allez, tu vois, dans le feu de l'action, je m'en souviens comment ça se passe. Non, t'y es cru, toi? Mais heureusement que, Sorrento, heureusement que tous les jeux ne me mettent pas dans l'état où j'ai été sur FF15. Sleeping Dogs, monstrueux. En plus, là, en ce moment, il est gratuit. Mais monstrueux, tu peux foncer les yeux fermés, c'est un gros, gros kiff, ce jeu. Elle est morte. Elle est vivante? Get Peggy out of here. Jink, she doesn't deserve this. Winston. Fuck. Et qui est derrière tout ça? Putain, mais par contre les Chinois ils sont résistants, la vache. J'aime bien les jeux d'action un peu nanar. Ah mais tu peux y aller, hein. Sleeping Dogs, en plus d'être un bon jeu d'action, un bon système de combat au corps à corps, il a aussi un bon scénario. Un peu comme dans les films de John Woo et de Chow Yun-Fat et tout, la grosse mafia chinoise et tout. C'est vraiment vraiment kiffant. Avec des bonnes scènes, des bonnes quêtes secondaires, une très bonne quête principale. Bon, qui c'est qu'il y en a après Oncle Po alors? Avec des super scènes, regarde. Il y a plus d'ambiance dans cette scène que dans l'intégralité d'FF15. Ah, il commence à mourir. Super, t'as pas... Putain, mais faut pas que... Faut que j'économise un peu mes balles. Il n'y a pas un meilleur arme que ça, la vache. Ah si, il a une mitraillette là, reviens. Elle est où? Merde. Ah putain, c'est maintenir. Oh là là. Voilà. Je serais mieux avec ça. Qui c'est qui me zigouille là? Là? Ah, c'est pas le moment de faire son squat quoi. Salut The Shy Guy. Ah, le best jeu, tu viens de commencer. J'ai 5 heures de jeu à peu près, je crois. Si je dis pas de conneries, à peu près 5 heures de jeu. C'est bon, je crois que j'ai... C'est bon. Ça va, j'ai pas mal de balles encore. Ça devrait le faire. Ils sont made in chinois, les Chinois. Ils sont, ouais, c'est clair. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Mais non, mais non, mais non. Oh, mais non, ce sauvetage à la John Woo là, totalement raté. C'est chier. Elle est partie en courant. Non, ça c'est une autre, c'est une autre. L'autre elle est morte. Les deux sont morts, les deux mariés sont morts. Les deux mariés sont morts. Bye, Shai. Uncle Paul, are you okay? Can you walk? What's going on? What happened to Winston? Okay, come on. We gotta get you out of here.
Elle est trop classe cette scène. Uncle Paul, you're hurt. It's nothing but a little scratch. You look sort of. We gotta get you to a hospital. Vite, je suis avec ton sac à main. Et je peux échanger mon pistolet contre le sac à main, c'est magnifique. Oncle Po, tu peux te mettre à couvert? Non, t'as pas le droit de mettre à couvert. Ok, j'ai intérêt à bien viser alors. Il est tombé dans les méandres de l'enfer. Ah non, il est juste en bas. Oui, bah t'es un peu accroché dans le coin là. On peut pas courir? Ah si, on peut courir, merde. Je perds un temps fou. Be careful. Merde, ils sont trois. Ça va être un peu plus. C'est bon, l'autre il est dans l'angle. C'est bon. Ça devrait être bon. Non, c'est pas bon. Ah! Mais... Meurs! Ils ont mouru. Putain, y'en a encore, mais y'en a combien? Ah non, c'est bon, ils sont à moi. Allez, dans la tuture. My uncle, he's hurt. We need a doctor now. What is this? What's going on here? My boy, maybe you'll want to leave before our friends, the police. Show up. Are you gonna take care of my uncle? And if anything happens to him, I'm holding Hello, you police? Personally responsible. Oh, thank God. I'll be clear. Okay. Yeah. Alors attends. Oh, j'ai deux points dans la triade. Débloquer la compétence permettant aux joueurs de lancer des attaques armées spéciales quand ils courent. Ah bah voilà. Ah merde, faut que je d'abord fasse ça. Verrouillez-vous sur un ennemi, appuyez sur A pour passer derrière un ennemi. Ah mais je n'avais pas ça. Voilà, c'est boud. Qui c'est qui a attaqué alors du coup? Where have you been? Stuck in traffic. It's Hong Kong. Fuck, Raymond. You think showing up for these things is easy for me? I know you've been through a lot, boy. More than we have any right to ask. Now the wedding. But it was a massacre, Raymond. A massacre. Winston was a Redpoll, sure, but his wife, he fucking gunned down his wife on her wedding day. We knew you would become personally attached, Wei. It's inevitable in an operation like this. And seeing something like that would be hard. Hard for anyone. It's war now. No, it's not. You're a cop, all right? Your job is to enforce the law. You can't remember that. Tu sais ce qui est génial en fait dans ce jeu, c'est que on arrive en tant que flic et au fur et à mesure qu'on joue, en tant qu'infiltré, on oublie totalement le côté flic et on devient, on veut se venger au niveau de la mafia quoi. You want to give up the best undercover HKPD has ever had? Your best shot taking down the Sun on Yi? Exactly. We
done? Yeah, we're done. Non, on commence totalement à oublier qu'on est un flic à la base et on devient un membre à part entière des Sangundi, des Bâtons Rouges et tout le bazar de la triade. Et c'est vachement bien amené au niveau scénaristique, je trouve. Quand il dort avec ses lunettes de soleil et ses godasses, il s'habille. Ils auraient pu nous faire en sorte que qu'on commence toujours en short et qu'on justement on est obligé de s'habiller quand on sort du lit. Ça aurait été sympa. Alors, j'ai un truc juste ici, j'ai l'impression. Ouais, on va y aller, c'est juste à côté. Je crois que c'est plus rapide de ce côté-là. Par contre, ma vie, bordel de merde, j'ai trois carreaux. Je l'ai pas déjà fait, ça? Ou alors je l'avais... Ah oui, j'avais pas piraté la caméra, je m'en souviens. Parce que j'avais pas trouvé où était le truc de caméra. Attends, il est peut-être en haut alors du coup. Il est où le boîtier de caméra là? Là, il y a la caméra, ok. Mais il est où le boîtier? Oh les salauds, où est-ce qu'ils l'ont foutu le boîtier? Ah, j'ai eu du bol. Je suis un boss. Voilà, et puis là on va retourner à la maison, voir la surveillance. Oh putain, ça saute de haut quand même, hein. C'est beau, hein. Regarde l'ambiance, elle est topissime l'ambiance. Ils ont vraiment restitué une très très belle ambiance de Hong Kong. Alors, on va identifier le trafiquant principal. Voir si je passe de level à, du coup pour débloquer une autre compétence. Et après, on va continuer la mission principale ou secondaire. Je sais pas, on va voir. Enfin, il y a plusieurs missions principales de toute façon. Alors, qui est le trafiquant dans le coin? J'imagine que c'est lui, hein, non? Ah ouais, on va le savoir ça tout de suite. Salut. Salut 09, salut Arlianas. Ouais, c'est le bon, magnifique. T'as mais voilà combien ça donne. Yeah, j'ai passé, super. Alors du coup, j'améliore ça. Non, c'est pas ça, c'est dans la police. Les ralentis durent plus longtemps après un tir en sautant des... Voilà, j'en ai besoin. Ça. Je sens que j'en ai besoin. Parfait. Et bah ça, c'était une affaire rondement bien menée. Piste Hot Shots 4. Bon bah il reste piste Hot Shots 4, on va faire ça.
J'ai pas gagné une voiture en fait tout à l'heure. Ah, j'ai le 4. Oh! L'âme de la course, le style de la rue. J'ai dû gagner ça après la course de moto que j'ai faite tout à l'heure de 7 minutes. Là. Oh putain, ça a l'air puissant ce machin. Oh putain, ça a l'air puissant. Effectivement, elle a l'air puissante. Wouhou, c'est par là. Je m'en souviens plus, est-ce qu'on aura une autre maison? Oui, on a. J'ai un autre appartement qui s'est déverrouillé dans un autre quartier de la ville. Hein? Bah, je suis infiltré, faut bien que j'infiltre aussi les filles. Eh, vaut mieux partir l'esprit léger en mission que complètement frustré. Hein? De quoi? Non, c'est le grand chef de la triade en fait. Non, enfin dans la triade, non, il n'y a que les flics qui savent que je suis flic. Bah en fait c'est un quartier où j'ai grandi. Donc j'ai contacté un copain qui faisait partie de cette triade pour me faire rentrer dedans, en fait en disant que je revenais des États-Unis, que. Et voilà. Putain mais ils ont combien là? Tout ça pour la petite caisse là? Oh c'est magnifique ça. De quoi? La cochonnerie peut-être. Allez, ce coup de genou, il est juste parfait. Oh, cette baffe qu'il m'a mis. Putain, t'es résistant, toi. C'est bon les autres, ils vont me lâcher là. Ah, c'est bon les autres, ils me lâchent. Tout ça pour 10 000. Et en fait, je suis totalement en dessous, mais en fait, faut aller en haut. Ah. Où c'est où? Qu'est-ce que je fais en dessous là? Comment on va sur l'échangeur là? Faut que j'aille sur l'échangeur, elle est là. Elle est gentille. Oulala. Les motos pour ça. Elle est où? Eh hey, ma moto! C'est pas grave, ma casque, j'en ai un autre. J'en ai un infini dans mon cœur. Mission secondaire des flics et ça rapporte masse. Tatin, tatin, tatin. Ça fait un peu la musique de Terminator. Ah merde, c'est au-dessus. Non? Ah c'est ça, faut que j'aille en haut. Qu'est-ce qui se passe? Yeah!
drop the shot. You are clear to engage. The sniper got him. Tranquille. Jimmy, il laisse les armes au sol. Ne me jugez pas. Hein? J'ai la classe comme ça? Ne me jugez pas. On va prendre une bagnole, hein. C'est en moto, c'est chiant. Je parlais que c'était une gonzesse et devine qu'est-ce que c'était? C'était une gonzesse. Ah ouh, fais gaffe, tu vas me casser le. T'as failli tomber? C'était pas une fille? Oui. Excusez-moi, j'ai perdu quelque chose dans mon sac à main. Mais pourquoi vous m'agressez? Pourquoi vous m'agressez? Ça y est, les préjugés, j'ai pas le droit d'être de choisir mon orientation. Par contre, j'aime battre. Je peux même me battre au sac à main si vous voulez. Oh, ça fait mal, hein, sac à main. Là, viens par là, toi. Bouffe ça dans ta tête. Ils sont combien là? Mais ils sont où? Ah, ils sont là. Non, c'est absolument pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Putain, mais vous êtes combien? Ah, ça y est, il se barre. Mais dis donc! Ah merde, j'ai pas vu désarmement quand t'as jaugé de je sais pas quoi. Oh, fais chier, c'est pas grave. Il est où le boîtier? Il est là le boîtier. Salut Sparks! Pas eu de bol sur celui-là. Ouais, bon, ça va. Il y a une mission secondaire au-dessus. Comment on y va au-dessus? Peut-être par là, par les escaliers. Ah, il y a un magasin de voitures. Peut-être acheter une voiture. Tu vas être toute mouillée, ma pauvre. Il y a un magasin de voitures ici?
un magasin de voitures volées ici. Oh putain, mes vies. Une brochette de poulet, ça fait longtemps. Tu vends quoi comme titine? Tu vends des voitures volées, toi, c'est pas possible que ça soit officiel. Tu me diras. Oh, pas mal. Oh. Allez, la Drifter GT 210 000. Caca, caca, caca. Magnifique. Et donc, je disais, il y a une quête annexe juste là. Juste là. J'arrive, je suis là. Qu'est-ce qui se passe, mon jeune? He called the cops on me just as I was getting to the finish line. I barely escaped. You teach him not to pull that shit on your turf. Et tu veux pas lui faire comprendre toi-même plutôt que de demander à oncle Shane qu'il se déchaîne. C'est pas, ça a vraiment bien vieilli avec la pluie et les reflets sur la route. Je me souviens qu'à l'époque c'était vraiment la grosse claque graphique. Ça a vraiment bien vieilli. C'était quoi ce pay là que t'as lâché? Bah, faut avoir un petit somme pour mettre tes jambes de loin. Hein? Bah, prends la couette. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais pas faire la course avec ça. Ah, c'est sa bagnole? Tu t'es fait battre par ça? Non, t'es sérieux. Mais c'est pas une bagnole de course, t'es sérieux? Hein? Non, mais regarde la bagnole de course du mec, quoi. C'est toi qui parles? C'est ta bagnole? T'as pas honte? Non, sérieux, t'as pas honte de faire la course avec ça? Bon, tu viens me battre ou... Viens me battre? Bah, c'est ça. C'est ça le super pilote. Oh putain! Magnifique. Ouais, elle est bien. Tiens, il y a des vêtements juste ici. On va aller voir ce qu'il propose comme vêtements histoire de changer ce costard. C'est juste là. Hop. À mon avis, ça doit pas proposer des vêtements d'enfer ici. Waouh. Ah. Ouais. Ouais. Ouais, allez, histoire de changer un peu. Un pantalon, t'as quoi? Ok, un bon petit jean bien sympa. En chaussures. Des bottes? Oh non, pas des bottes. Visage, lunettes, cariste. Non. Collier. Non. Montre. Ouais. 12 000 $ la montre? Mais t'es dans quel quartier aujourd'hui? Allez, on va faire une petite course. Non? Non, on va faire l'histoire principale. Attends, il y a un truc de flic. Non, on va pas faire le truc de flic. Il y a un truc de surveillance ici. On va faire ça. Enfin, je crois. C'est où, c'est là? C'est où? Putain, la caméra, elle est par terre. Go, 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 go!
C'est moi, il a essayé de m'écraser en... Oh le salaud. Mais non, je me dis, c'est vrai que je peux pas le choper lui. Il est beaucoup trop gros pour l'instant. Mes vies. Faut absolument que j'aille dans un quartier où il y a plein de bouffe dans tous les sens histoire de me refaire les vies. Eh bah dis donc. Ensuite. Quoi, faut que j'en tape encore, c'est ça l'idée? Voilà, et après ils ont peur. Ah, ok. Alors la caméra, c'est où? J'adore le système de combat, il est vraiment fun le système de combat. Et la caméra, elle est... Ah non, mais attends, ah non, ça c'est juste un coffre, mais il y a un truc de caméra dans le coin. Quoi? Ah sérieux? J'avais oublié ça aussi. Ok. Il sait tout faire quand même ce Wei Shen. Eh ben, il y a une caméra là. Oh ce combo! Ce combo breaker! Oh ce combo! Magistral! Ok, ça c'est fait. Ah, ça ça indique que les. Ah bah c'est mon job de flic, on va le faire. Mais c'est juste là. Ah, et puis il y a un autre truc de vêtements juste en haut là. On va voir si le job de flic m'envoie pas trop loin, on ira au truc de vêtements. Ah bah si, le job de flic va m'envoyer beaucoup plus loin. Un kilomètre! Ah, j'ai même pas un wouh! De mon gueule le GPS ou ça se passe comment? Bon, c'est pas grave, je vais y aller comme ça. Attends, parce que si je me retrouve coincé par la carte. Mais non, pas reprendre carte. C'est où? Il y a une couille dans le potage ou c'est moi? Ah ouais, je suis juste à côté. Pourquoi ça m'indique un kilomètre suite? J'étais juste à côté. Du coup, je vais passer par là. Hein. J'ai passé pète un câble. Question débile, mais feras-tu Dead Rising 4? Non, Dead Rising 4, je le ferai pas. The Last Guardian non plus. Ça m'intéresse pas du tout. Ah, oh, j'aurais pu les écraser tous.
on vise bien et une balle par marque. Où tu vas toi? C'est par là. Il faut y t'échapper. Stop struggling. You're under arrest. The paperwork for this is going to be insane. I have no idea how many bullets I fired. Et donc il y avait des vêtements juste au-dessus, c'est ça je crois. Ouais, super. On va aller voir. C'est un quartier un peu plus chic, doit y avoir des trucs sympas. Ouais, je sais que dans le 4, il n'y aura pas de chrono de Dead Rising, mais il y a beaucoup de jeux autres que j'ai envie de faire ou que j'ai envie de m'investir plutôt que Dead Rising en fait. Et pour une fois, il n'y aura pas de chrono et c'est enfin bien, mais les trois précédents, il y en avait, ça m'avait plus que dégoûté, donc... Waouh. Waouh. Non. Pas grand chose de sympa. Qu'est-ce que c'est que ce... Bon, on va rester comme ça pour l'instant. Alors. Taxi. Non, il y a un taxi dans le coin. Là. Taxi. Taxi. Et on emmène là. Where is this guy? Hunter's trying to kill me. He's crazy. He's shit. Ah, placez-vous au centre des antennes pour trianguler la position, c'est ça l'idée? Ok, d'accord, c'est à 600 mètres, il me faut un véhicule. Réquisition de la police. Pour éviter un meurtre en cours. Ouais, voilà, quand il sera en promo, je verrai à ce moment-là. Oh putain, je regardais le radar. J'y suis là. Oh, dans le prochain carrefour, ça devrait être bon. Non? Oh, j'y suis là, non? Ah putain, je suis trop à droite. Par là alors. Ah là c'est bon, je crois qu'elle est au bout de la ligne droite, je suis en plein dedans. Trouver commun à toutes les antennes. Ah oui. Il n'y en a aucun qui est commun à toutes les antennes. Ah si. Celui-là. Trop tard ! Mais non, pile au moment où... Pile au moment où j'appuie, c'est pas de bol. Pile au moment où j'appuie. Oh, j'ai ça à refaire. Qui est bon ça. Ah, oh, c'était magnifique ça.
Ouais, bah j'en branche qu'un. Hmm. Y'a quoi? Alors c'était par où? C'était par là. Donc je sais ce qu'il faut faire, ça va être plus simple. Hello? Hello? Is anyone there? What? Hello? Hello? Can you tell me where you are? What? Is that... Is this... I'm so happy right now. J'arrive! Merde, toi, je dois... Oh putain. Pas tellement la bagnole d'une rapidité externe extrême. 1,4 km. Oh putain, j'ai du chemin en plus. Ça va, une fois qu'il est lancé, elle a l'air d'avancer quand même. Un peu. Regarde le live de Benzaï, il est le droit de stream. Ouais, je le regarderai à l'occasion dès que je peux. Mais je regarde quasiment presque toutes les rediffs de ces lives à Benzaï. Mais les rediffs, je les regarde pas en direct. À chaque fois, ils stream à des heures pas possibles, ou alors c'est moi qui suis en train de streamer. Mais lui, c'est un gros fan de la licence et il la connaît très très bien. Et j'ai hâte de voir ce qu'il en pense. Et je pense qu'il va... Il devrait kiffer. Je me fais pas de soucis là-dessus. Enquêter sur l'accident. Je suis là. I tried to help him, but he's not breathing. There's blood everywhere. We were in front. Ace was winning, at least he thought he was winning. Oh. Ah, c'est encore Ace qui fait des siennes. On va peut-être la bouger là parce que tout est en feu. Non, c'est bon, je quitte. Ok, d'accord. Ah, c'est bon, j'entends les pompiers qui arrivent en fait. La photographie, la voiture. Ah, c'est vachement bien fait au niveau des détails quoi, il y a le pompier qui vient l'aider après l'accident, tout ça. Ok, le veut vivant, on va essayer. On va voir qui est le roi du bitume, Hotshot. Où est-ce que tu te planques? Retrouve-moi à Victoria's Peak avec une voiture rapide. Ok. Trouver une voiture rapide. Ok. Ah tiens, il y en a une là. J'en vois une. Elle a l'air relativement... bien. Plus que bien même. Les talons. On va aller jusqu'à Pike's Peak. Hein? Oui, ça l'a cassé. Oui, tout à fait. Oui, exactement.
Parce que si j'arrive à avec elle la moitié amochée, oh là là, qu'est-ce que. Oh là là, elle a du cheval. Elle a du cheval.